Thank you.
Qui avait été le troisième sur la route de Paris-Tours dans la catégorie des moins de 23 ans. Jean-Yves, d'autres coureurs qui seront à nos côtés à trois tours de l'arrivée. Oui, le peloton qu'on va retrouver là à trois tours de l'arrivée avec la formation de Sojasen et au dossard 69, on retrouve là Hugo Millet qui emmène le peloton et ce à quelques trois tours de l'arrivée alors que le deuxième groupe de contre-attaque était sous la conduite de Samuel Leroux, le concurrent de la formation de Gosford-Roubaix, Lille Métropole, qui emmenait le groupe de contre-attaque lors de ce passage. Le groupe de contre-attaque, on va les retrouver là, au passage de la ligne RIC. Les voilà qui vont venir nous rejoindre sur un passage. Ils vont être là à quelques deux tours de l'arrivée. De nouveaux primes sur la ligne, de nouveaux primes avec ici les 100 euros intervalant et sur 3 heures avec les 50, les 30 et les 20. C'est un peu la valse hésitation, que ce soit avec Florentin, le Camelambert. Nous sommes également sur l'ouverture, le retour du moins, la confirmation, mesdames, messieurs, puisque d'autres coureurs est un des moindres qui ont effectué la jonction en position avec Pierre Thierry. Bousquet édition 2023, on tente de sortir ici avec le dossard 72 d'Axel Prudhomme, l'homme de la formation de Soja Saint-Espoir, suivi du dossard 25 de Louis Ardouin, l'homme de la formation. Dans toi. 200 euros à faire valoir, la prime du comité des fêtes, celle de l'Ordivision, ce sera la prime. Prime à faire valoir avec Florentin Le Camelambert qui sera battu. En revanche, nous sommes avec le coureur de Claude Carlin.
Dylan Darnay qui était en première ligne. Nous étions également avec les autres coureurs de la formation de l'université, notamment Pierre de Penet qui a jusqu'alors œuvre en 12e position au prochain tour, messieurs. Ça sera l'arrivée au prochain tour. On a salué également quelqu'un qui avait remporté le classement général sur la route de l'essor breton en 98. Et le troisième sur le champ de la Bretagne. Et ici, il y a Axel de Rose. Le voilà donc à l'entame du dernier tour. Nous allons donc avec le dossard 72 d'Axel Proverbe. D'autres coureurs à l'entame du dernier tour, que ce soit notamment avec les représentants de Kayakuel Paris-Morin, le passage en Beugas. Pierrot Le Pénet qui vient de se faire reprendre, me semble-t-il, sur l'avant de la course. En tout cas, la bagarre est belle. Ce sera l'arrivée sur le présent passage. C'est l'arrivée dès à présent. On va d'abord de ce podium avec un sprint qui est lancé de très loin, que ce soit avec Nicolas Guichard. Nicolas Guichard qui est décidé. Pierre Thierry qui est également ici. Nicolas Guichard, le vice-champion national. Nicolas Guichard, donc un superbe final pour le vice-champion de France. Le coureur du département de la Corrèze, sous les couleurs de la formation de Bordillon-Dubolia. Géora pour celui qui avait remporté pas moins de 10 victoires sur la saison de 2022, qui avait remporté notamment victoire d'étape sur la route de l'essor breton, sur l'estival breton, sur le Tour de Bretagne qui a été le prix en vainqueur également sur la Sport Braise. Vainqueur, ça fait quelques jours de cela à l'occasion du circuit du Morbihan. Deuxième victoire de la saison de 2023 avec le vice-champion national, Mickaël Guichard. Superbe! En tout cas, de belles honneurs encore à prendre ici au passage de la ligne avec notre concurrent, avec Créactuel Marie Morin ici qui vient prendre une belle place d'honneur avec Lomique Leclèche qui vient d'en terminer. C'est l'arrivée également pour l'ensemble des concurrents avec Samuel Leroux. De l'Estavon, ce sera l'arrivée également pour les autres places d'honneur. Ce sera l'arrivée aux abords de ce podium, que ce soit notamment avec les autres coureurs du Golo Club du pays de l'Oudéac. Arrivée Verchuren, le troisième étape sur les flèches vendéennes, troisième sur les hauteurs de Canoudal-Cumlec à l'occasion du Manche Atlantique. En termine également l'ancien professionnel Adrien Lagré. Nous étions autrement avec les Franciliens, les coureurs du Poitou-Charentes. Ce sera le cas également avec les Normands aux abords de ce podium. Félicitations à l'ensemble des coureurs. Émile Prigent, est-ce que vous êtes en forme? Émile Prigent qui vous donne rendez-vous demain pour le trophée René Galou. Je crois, mon cher Eric, il faisait semblant de ne pas t'entendre. Richard, tu le connaissais déjà parfaitement, je présume, pas de soucis de ce côté-là. Il y a l'évolution, celle notamment de Joël Lebon. Alors, selon toi, est-ce qu'il est parti un peu trop tôt au niveau de ces nouvelles éditions, puisque l'ambition? Non, je pense que là, il a l'armée, s'il vous plaît. Alors Ilan, troisième aujourd'hui, comment on analyse ce résultat? C'est vrai que je partais de loin dans l'idée de gagner quand on joue la gagne, mais bon. Après, je pense que dans une arrivée comme ça, je pense que là, il n'y a pas photo. Michael était plus fort, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, en tout cas, toi, tu as fait puisque le spectacle, puisque tu es quand même le vainqueur également du classement des points chauds. Ouais, c'est vrai que j'ai pris l'échappée à Tétho, donc j'en ai profité pour faire les points chauds. J'étais bien dans l'échappée, donc j'en ai profité. T'en as profité, ce parcours, comment tu le trouves? C'est un parcours que j'apprécie, il est usant, avec le vent et tout ça, c'est vrai que tout le monde est usé à la fin, donc c'était fait en costaud sur la fin, ça vient bien. C'est quand même bien un bon résultat, les objectifs pour toi pour la suite de la saison? On va continuer sur la lancée, puis après ça va être de préparer le Tour de Bretagne qui va arriver assez vite, dans un mois, demi, donc il faut préparer ça. Est-ce qu'on te verra sur les sorts bretons peut-être? Logiquement, oui, si tout se passe bien, ça devrait y être. Voilà, donc de beaux objectifs encore à venir. Ouais, c'est clair, des belles courses en Bretagne que j'apprécie, donc on va continuer là-dessus. Le Pénec, s'il vous plaît, merci.
Alors, je présume qu'il y a de la déception à l'arrivée. Le sprint qui a été lancé de très loin pour la victoire. Oui, la déception, après, on va y réfléchir un peu, mais c'est déjà une belle place. Et ce matin, on m'aurait dit que la deuxième équipe, j'ai assuré demain. Que les jambes étaient moyennes au moment du lancement de cette nouvelle édition. Voilà, ouais, c'était pas forcément les jambes que j'attendais, mais au fur et à mesure de la course, ça s'est bien développé. Quatrième, notamment de la même anglaise, la quatrième des trois journées, la deuxième aujourd'hui qui se fait la victoire. Est-ce que c'est prévu dans quelque temps? Je suis ici et j'ai attendu dimanche, je suis sur les courses pour gagner. Donc voilà, j'espère qu'elle aura l'équipe. Merci. Vos applaudissements donc destinés au deuxième, à Guérone Le Pénèque, le citoyen de Pudrette. Vos applaudissements, le prix en vainqueur, le vice-champion de France, Mickaël Guichard sur le devant de ce podium. Merci, merci. On va se retrouver avec le pilote-vainqueur, la pluie qui a fait une nouvelle fois sur la partition. Je te laisse du moins nous décrire ta course parce que c'est un scénario en suspense, un rebondissement au niveau de cette organisation. Des retours sur les derniers kilomètres, hein, Mickaël. Après, Pourtant, je pensais pas du tout gagner comme ça, parce que c'est vraiment pas un petit effort, vraiment qui problème, j'ai quand même bien bossé cet hiver, et au final, je vois qu'on va rester un peu plus, vraiment surpris et très content, c'est vraiment un beau week-end, tout ce qui est les guépons, et je suis, voilà, mon objectif, c'est de gagner au moins une des deux, parce que je le fais toujours, vraiment très content.